l'idée, c'est de me préparer à la Saint-Élion. D'ici la Saint-Élion, ce qui est quand même une bonne préparation au niveau distance pour la Saint-Élion. Toujours dans l'optique de la Saint-Élion. Pour réussir cette Saint-Élion, stresser une dernière fois le corps avant la Saint-Élion. 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 Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous me suivez un petit peu et puis si vous savez lire aussi, puisque c'est écrit dans le titre de la vidéo, vous devez deviner assez facilement où est-ce que je suis aujourd'hui. Nous sommes donc le vendredi 26 novembre et je suis devant la Altony Garnier à Lyon, prêt à aller récupérer ce fameux dossard chasuble caractéristique de la Saint-Élion. La Saint-Élion, qui est donc la doyenne des courses nature en France, est le traditionnel rendez-vous de fin de saison des coureurs et des trailers. Nous sommes donc la veille de cette 67e édition de la Saint-Élion, et il s'agit pour ma part de ma première participation. Alors je m'élance donc demain aux alentours de minuit sur ce qu'on appelle la formule Rennes, c'est-à-dire cette année les 78 km et environ 2100 D+, permettant de rallier Lyon et cette Altony Garnier depuis le parc des expositions de Saint-Étienne, à travers les monts du Lyonnais, de nuit, dans le froid, probablement sous la pluie et possiblement sous la neige. Alors la Saint-Élion, c'est plus de 15 000 coureurs, il y a donc plusieurs autres distances. On retrouve les 13 km de la Synthétique, les 23 km de la Synthésprint, les 46 de la Synthexpress et enfin les 156 km de la Lyon-Saint-Élion, dont ce sera d'ailleurs la seconde édition cette année. Bon, alors étant donné qu'il s'agit d'une course qui se court de nuit, je vais faire ce que je peux, mais je m'excuse d'avance si vous voyez pas grand chose sur les images de la course en elle-même. Mais bon, en contrepartie, je vous emmène avec moi du retrait des dossards jusqu'à la ligne de départ. Bon, et ce week-end à la Altony Garnier se tient également le salon du trail running qui a l'air tout simplement immense. Donc on va évidemment aller y faire un petit tour. Voilà, ça y est, le dossard est récupéré. Maintenant, avant de vous dire à demain, je vais, comme vous en avez maintenant l'habitude, vous parler d'une association que je considère comme étant intéressante. Aujourd'hui, il s'agit de PLH, Pharmalion Humanitaire. Donc Pharmalion Humanitaire, qui est une association composée d'étudiants en pharmacie lyonnais. Oui, encore. Ces étudiants en pharmacie lyonnais, ils effectuent chaque année un projet de solidarité internationale. Ils réalisent donc annuellement un voyage à visée solidaire. Donc entre 2011 et 2018, c'était au Burkina Faso. Maintenant, c'est au Bénin pour y effectuer des actions de sensibilisation, de dépistage, d'éducation et de promotion de la santé. Parmi les actions réalisées dans ces deux pays, on retrouve par exemple des actions de sensibilisation à des thématiques de santé publique, comme par exemple le VIH ou le paludisme, un apport de matériel médical, également la construction d'un jardin botanique, ou encore la réhabilitation de certains CSPS, qui sont des centres de soins et de promotion sociale. Et au sein de ces CSPS et de certains hôpitaux, PLH a organisé et réalisé
le dépistage ainsi que la sensibilisation au diabète de type 2 et à l'hypertension artérielle. Alors, en plus de ce voyage annuel, PLH organise également beaucoup d'autres actions de santé publique ou de sensibilisation tout au long de l'année. Il mène par exemple en ce moment un projet de sensibilisation et de réduction des risques liés à l'alcool durant les soirées étudiantes. Le projet est en fait de tenir des stands à la sortie des boîtes de nuit, des soirées, pour distribuer de l'eau gratuitement et prendre en charge les personnes qui en ont besoin. Et en plus de tout cela, PLH réalise tout au long de l'année plein de petites actions visant à financer leur voyage. Donc on retrouve les traditionnelles ventes de crêpes, ventes de vin chaud, la réalisation de paquets cadeaux durant les fêtes ou encore l'organisation de certaines soirées étudiantes. Alors malheureusement, avec la Covid, la plupart de ces petites actions ont été fortement réduites ou annulées. Donc PLH a également une page sur laquelle vous pouvez vous rendre si vous souhaitez les soutenir afin d'effectuer un don. Je vous mets évidemment le lien dans la description, ou sinon vous pouvez également y accéder via ce QR code. Parallèlement à tout ça, PLH est évidemment très présent sur ses différents réseaux. Je vous les mets dans la description. Je vous invite évidemment à les suivre si leur travail vous intéresse. Bon, tout cela étant dit, je vous dis maintenant à demain. Rendez-vous au Parc des Expositions à Saint-Étienne. Et voilà, me voici au Parc des Expositions à Saint-Étienne. Bon, il y a beaucoup trop de bruit pour le moment, donc je vais pas beaucoup parler pour l'instant et j'essaierai de parler un petit peu sur la ligne de départ ou un peu plus tard. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, on est parti. On a fait un premier kilomètre de course là. Alors je pouvais absolument pas vous parler quand j'étais dans le gymnase, il y avait beaucoup trop de bruit. Pareil sur la ligne de départ. Bon, j'ai fait en sorte de réussir à me placer dans la
seconde vague, juste après la vague des élites et des lions Saint-Élion. Bon, j'ai un petit peu rogné sur mon confort pour ça. On a passé pas mal de temps debout. J'ai pas pu me reposer dans le gymnase, mais voilà, je voulais vraiment partir le plus tôt possible pour avoir un terrain pas trop mauvais, puis pas arriver à 11h à Lyon. Bon, comme vous pouvez le voir, il neige, c'est génial, c'est super beau. Le départ est magnifique. Et bon, pour l'instant c'est super, mais ça sera peut-être plus compliqué dans quelques heures. Quasiment 4 km, on arrive dans les premières vraies petites pentes, on va dire. Et la neige a déjà eu le temps de se transformer un petit peu en verglas par terre, ça glisse pas mal, on va falloir être vigilant. Bon, on a un premier bouchon, 5,5 km. Bon, quasiment 8 km, plus que 70. Ça se passe bien pour l'instant, je pense assez doucement. J'ai jamais couru cette distance, donc je peux pas savoir vraiment si c'est la bonne allure, mais je pense que ça va. Je suis pour l'instant au bout du kilomètre à peu près 10 km/h, un peu plus, sachant qu'on a même pas encore fait 200 D+, hein. Quasiment que du bitume pour l'instant. La Saint-Élion, c'est environ 40% de bitume, 60% de chemin. Mais voilà, la première partie là entre Saint-Étienne et Saint-Christo-en-Jarret, c'est beaucoup de bitume. Le deuxième entre Saint-Christo et Sainte-Catherine, ce sera quasiment que du chemin. Ouah, putain, oh là, ça va? Ouais, c'est bon, merci. Oh là, elle a sacrément tourné. Regardez la caméra. Non, non, je regardais par terre. Ah putain, fais chier. Allez, ça va tenir. Petit kilomètre 4 de course. 1h03. Et on commence à avoir des pentes un peu plus pentues. Donc c'est les premières alternances marche-course. Aller dans un petit village avec de l'ambiance.
je sais pas si on voit la caméra, mais on commence à apercevoir les serpentins de lumière caractéristiques de la Saint-Élion. On est pas loin de Saint-Christo là. Pour la première fois de la course, je commence à avoir un peu froid. Complètement merglacé par terre, ça se casse la gueule dans tous les sens. Bon, premier avito, Saint-Christo-en-Jarret. Quasiment 18 km. Et je repars, je me suis arrêté 5 minutes à peu près. Bon courage. Merci. Le temps de me refroidir un peu quand même. Quasiment 28 km, presque 3h30 et c'est compliqué, on n'avance pas à cause du verglas surtout. On est obligé d'être hyper précautionneux. On arrive à éviter Mont Sainte-Catherine. Je fais 4h07 de course, plus de 2 heures pour faire 14 km et 500-600 des plus. Ça glisse énormément, on va vraiment lentement, c'est super dur. Allez, bienvenue à celles et ceux qui arrivent et bon courage à celles et ceux qui repartent. Je suis reparti du ravito Sainte-Catherine, il y a à peu près 2 km. J'étais frigorifié. Je tremblais de toutes les parties de mon corps. Là, j'ai les doigts gelés. C'est extrêmement dur. Bon. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais j'avais des petits problèmes gastriques, j'avais mal au ventre. Un peu la gerbe. Mais ça va mieux. Alors, bon, par contre, je me suis un petit peu moins alimenté que ce qu'il aurait fallu. Mais bon, au moins, je suis plus trop gêné par le ventre. Mais là, c'est vraiment le froid, quoi. Le froid, le verglas par terre qui, dans les moindres petites descentes, nous empêche quasiment de courir. Et on en a même pas à la moitié. On approche du signal, là, qui est vers le 40e kilomètre et qui est le point culminant de la course. Après, ce sera globalement un profil descendant. J'ai hâte de redescendre en altitude parce que là... pas loin de 42 km de course, distance marathon, et on arrive au signal. Après on redescend, c'est à la fois bien et pas bien parce que ça va dégringuer les jambes.
45e kilomètre. Là on arrive au ravito de Chaussan Saint-Genoux-le-Camp. Juste du liquide là. La descente après le signal était vraiment très cassante. Je la connaissais un peu déjà, j'avais pris une ou deux fois. Déjà de base sans cette météo elle est compliquée. Alors là comme ça c'était une horreur pour les jambes. Bon, le bon point c'est qu'il reste que 33 km. Enfin que. Il reste 33 km mais essentiellement de la descente. Après c'est pas forcément une bonne nouvelle, les descentes, c'est là où c'est le plus dangereux avec le verglas. Enfin bon. Il y aura peut-être pas de verglas en bas. Ouais j'espère. Mais sur la route, honnêtement, c'est compliqué hein, quand on passe sur des portions de route là. Très très dangereux. Bientôt 48. Plus de 30. On est redescendu un peu en plus. Il fait vachement moins froid. Ça fait du bien. En plus de ça, le prochain ravito, soucieux, est une salle chauffée normalement. Un gymnase chauffé. Donc je pense que je vais me changer. Enfin changer le haut. Ma première et ma seconde couche qui sont trempées de sueur, qui c'est ça qui me donne froid en fait. Voilà. Mais mentalement ça fait du bien par rapport à la portion entre Saint-Christophe et Saint. J'ai oublié le nom du deuxième ravito. Je suis à Sainte-Christine. Et puis aussi par rapport à la portion entre le deuxième ravito et le signal. Puis la descente, c'est quand même plus facile donc. Plus facile donc c'est moins dur. Bon, vous voyez certainement rien, mais il n'y a plus de verglas sur les routes. On peut courir. C'est une délivrance. On va arrêter de mettre 2 heures pour faire 13 ou 14 km. Bon, par contre, il aura neigé quasi non-stop. Hein. Enfin, jusqu'à maintenant en tout cas. Je sais pas si vous voyez le balai de frontal derrière. Et sur le côté là-bas. C'est vraiment beau. Il reste 25 km. Là, au niveau des jambes, ça devient horriblement dur. On est à moins de 2 km du ravito de Soucieux. On arrive enfin à ce ravito de Soucieux. Bon, je vais essayer 10 minutes pas de plus. Bon, j'ai changé mes deux sous-couches. Je me ravitaille et puis c'est reparti. Il m'en reste encore un coup. Ouais, je suis sur la société. Je sors du ravito de Soucieux. Je suis congelé, je rentre dans tous les sens. Ça va être les 22-23 km les plus longs de toute ma vie. Il n'y a plus de jambes, il n'y a plus rien, il n'y a plus que le mental qui permet d'avancer. On arrive au dernier ravito, Chaponneau. Je suis épuisé mentalement et physiquement. J'ai jamais été à ce point-là épuisé. Un peu moins de 9 km. Je sais pas si vous voyez en face en vidéo comme ça remonte. C'est la dernière grosse montée, la montée des aqueducs qui est très connue sur la Saint-Élion avec des pentes jusqu'à 18% à la toute fin du parcours. Ça veut dire que ça va pas être une partie de plaisir.
suis cuit. Jamais été dans cet état de ma vie. Jamais cuit à ce point. J'ai l'impression que je peux m'effondrer à tout moment. J'ai des grosses chutes de tension. Je suis hyper... une nervosité permanente. J'ai l'impression que je pourrais me mettre à chialer n'importe quand. Je serais content à la fin de l'avoir fait. Je serais très content, mais c'est trop dur. C'est trop de souffrance. Courage, courage. Merci. Ça monte un petit peu là. Un peu, ouais. Mais c'est la dernière. C'est la dernière. 5 km. Dans cet état, c'est encore tellement long. Nous voici aux escaliers de la Mulatière qui permettent de descendre jusqu'au musée des Confluences. Eux aussi, ils seront bien connus sur la Saint-Élion parce que positionnés à la fin du parcours et ils cassent les jambes. De toute façon, on n'a plus rien. Donc... mais là, ça sent la fin par contre. Pour Raymond Barre. Dernier tout petit effort en temps normal, mais énorme effort dans cet état. Bravo. Merci. Bravo, bravo. Salut tous les deux! Oula, finisher, c'est fini! Merci! Merci! On va faire un petit. Il est finisher à Saint-Élion. Et on bravo à toi qui en termine! Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, les amis! C'est un bus qui arrive là. Bon, j'aurais probablement pas le courage de vous faire un débrief tout de suite. Bravo à vous! Donc, je vous dis à plus tard pour reparler un peu de cette course douloureuse sur tous les plans. Bon, me revoici 3 jours plus tard et les idées un petit peu plus claires surtout pour débriefer cette Saint-Élion 2021 qui fut remplie d'une tonne d'émotions différentes. Alors des émotions sur lesquelles je vais essayer de revenir rapidement en reprenant cette course étape par étape. Alors avant toute chose, il faut savoir que la Saint-Élion, c'est une course qui a toujours occupé une place un peu particulière dans mon esprit, avant même que je me mette véritablement à courir en fait, puisqu'il y a maintenant un peu plus de 10 ans, avec mes parents, on allait attendre chaque année sur la ligne d'arrivée mon oncle qui participait à cette course. Donc je le voyais arriver dans des états pas possibles, mais aussi incroyablement fier et heureux, me demandant un petit peu ce qui pouvait pousser quelqu'un à faire ça, à s'infliger ça. Et donc je pense que ça a beaucoup influé sur le fait que j'ai toujours eu envie d'y participer. Donc Mich, si tu passes par ici, sache que c'est en partie à cause de toi ou grâce à toi si j'ai fait cette Saint-Élion aujourd'hui. Deuxième chose, j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans à un quart d'heure de Saint-Étienne. Je suis originaire du coin et j'ai ensuite effectué mes études à Lyon, ville au sein de laquelle j'habite maintenant depuis plus de 8 ans. Donc que la première très grosse course à laquelle je participe soit la Saint-Élion n'a rien d'étonnant, c'est un petit peu la suite logique. Alors bizarrement, j'ai pas ressenti de stress particulier à l'approche de la course. Il faut croire que le passé de sportif a un avantage de ce côté-là. On est habitué à la pression des jours importants, si je peux dire ça comme ça. Alors évidemment, je checkais un petit peu la météo qui n'a pas cessé d'évoluer jusqu'à ce qu'il se mette finalement à neigeoter
à mon arrivée au Parc des Expositions à Saint-Étienne, un peu avant 21h. Bon, le Parc des Expositions, je comptais essayer de me reposer un petit peu avant le départ de la course, parce qu'évidemment, j'avais encore mal dormi la veille, ça c'est classique, ça change pas. Mais entre les 40 minutes de queue nécessaires pour pouvoir simplement passer aux toilettes, puis le troupeau de coureurs qui a commencé à s'amasser devant les portes dès 22h pour essayer en fait de choper la seconde vague, eh ben, j'en ai pas eu l'occasion. On a passé plus d'une heure debout, serrés les uns contre les autres, à attendre qu'ils ouvrent les portes pour que l'on puisse sortir, et attendre, là encore, le départ de cette fameuse seconde vague à 23h45. Donc, seconde vague, parce que la première vague était réservée aux coureurs élites et aux coureurs de la Lyon Saint-Étienne. Et pour ma part, je souhaitais vraiment partir dans cette seconde vague pour éviter en fait de courir sur un terrain trop défoncé par les coureurs précédents, pour essayer d'éviter un petit peu les bouchons et également pour éviter d'arriver trop tard à Lyon le lendemain. Donc pour ça, j'ai perdu un petit peu en confort. C'est vrai que l'attente était un petit peu longue, mais rien d'horrible pour autant. Bon, ensuite, le départ, vous avez vu les images, c'était magnifique, avec la neige qui s'est réellement mise à tomber quelques minutes avant le départ, avec les centaines de coureurs qui t'entourent, l'euphorie et l'excitation ambiante. Tout ça fait que ce sera un départ dont je me souviendrai, je pense, très longtemps. Le premier tronçon jusqu'à Saint-Christophe, c'était essentiellement de la gestion, plutôt une phase où je me suis jaugé afin de voir quelles étaient mes sensations. C'était essentiellement du bitume avec quelques chemins, mais à part sur les derniers kilomètres, la neige n'avait pas encore eu le temps de se transformer en verglas, et donc ça s'est plutôt bien passé, hormis les maux de ventre dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo. Le ravito de Saint-Christophe, je m'arrête 5 minutes, le temps simplement de remplir mes gourdes et de manger 2 bouts de fromage et 2 tucs, quoi. Assez pour me refroidir et repartir en grelottant et en ayant déjà très froid, alors que j'avais pas véritablement eu froid jusque-là. Et ça a été de toute façon globalement le même problème à chaque ravito. Dès que je m'arrêtais plus d'une minute ou deux, je me mettais à trembler et à avoir très froid, à choper des coups de froid en fait. Donc bon, ça a été quelque chose qu'il a fallu gérer aussi à chaque fois. Ce froid et ces sensations de froid qui provenaient d'ailleurs surtout de l'accumulation de la transpiration à l'intérieur en fait contre nous plutôt que de l'extérieur. Donc il fallait en fait se remettre à courir assez rapidement pour se réchauffer. Puis deuxième tronçon entre Saint-Christophe et Sainte-Catherine, alors que c'est là que ça a véritablement commencé à se compliquer. Surtout d'un point de vue météorologique, puisqu'il ne s'était pas arrêté de neiger, en fait. Depuis qu'on était parti, la neige s'accumulait au sol, créant de nombreuses plaques de verglas qui nous ralentissaient et provoquaient de nombreuses chutes. Donc, pour ma part, j'ai fait le choix de perdre du temps, mais de rester prudent de ce côté-là. Surtout qu'en plus, je ne suis pas la personne la plus à l'aise en descente, donc je ne voulais pas me faire mal et ne pas finir la course. Et j'ai préféré perdre du temps, mais aller au bout. Et donc, en conséquence, j'ai vite compris que ça ne servait plus à rien de me fier au temps de passage que je m'étais imaginé. Ce verglas, de toute façon, allait me ralentir, et je n'allais pas pouvoir continuer à maintenir mon rythme. À cela se rajoutaient, sur les plateaux exposés notamment, de bonnes grosses rafales de vent enneigé, qui donnaient vraiment l'impression parfois de se retrouver dans des tempêtes de neige. Je pense que c'est vraiment le moment où on peut dire qu'on était au cœur de la Saint-Étienne. Puis ensuite, ravito de Sainte-Catherine, pareil, bon coup de froid. Alors pourtant, je ne me suis pas arrêté très très longtemps. Hein. Mais avant de repartir, j'ai été obligé de me ravitailler avec du thé brûlant, jusqu'à me brûler la langue, justement, pour essayer d'arrêter de trembler tellement j'avais froid. Ensuite, la partie jusqu'à Chaussan, en passant par le Signal, qui était le point culminant de l'épreuve, j'en garde assez peu de souvenirs. Je pense que j'étais très concentré sur le fait d'avancer au milieu de cette neige et de ce verglas. Il fallait rester concentré. C'est aussi le moment où ça commençait à devenir un petit peu plus dur. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à moins filmer. Et quand on commence à moins filmer, c'est que globalement, ça devient plus dur pour nous. Et concernant d'ailleurs le dénivelé positif, je ne l'ai pas vraiment vu passer. Donc c'était pas là que résidait la difficulté de l'épreuve, pour moi en tout cas, mais plutôt justement dans les conditions météorologiques. Et la distance, évidemment. Après le ravitaillement de Chaussan, ça allait globalement beaucoup mieux.
On était pas mal redescendu, donc la neige et le verglas étaient beaucoup moins présents. J'ai pu commencer à recourir plus vite, ça a été d'ailleurs assez agréable pendant un petit moment. Mais bon, on était déjà au 45e kilomètre, les jambes avaient donc déjà 45 km dans les pattes. Et en arrivant au ravito de Soucieux au 57e kilomètre, j'ai vite compris que les 20 derniers kilomètres allaient être très compliqués. Alors Soucieux, c'était un gymnase chauffé, donc j'ai fait le choix de changer mes deux sous-couches pour essayer d'être un petit peu plus sec. Choix que je ne referai pas si j'en avais l'occasion, parce qu'en fait, ça m'a surtout énormément refroidi. J'ai aussi perdu pas mal de temps. Et donc, je suis reparti en tremblant plus qu'encore qu'au ravito précédent, alors que j'étais plutôt bien niveau température en arrivant à Soucieux. Donc voilà, choix que je ne referai pas si j'en avais la possibilité. Puis donc, les 20 derniers kilomètres jusqu'à Lyon, en passant par Chaponneau, qui ont été un très long chemin de croix. Alors, j'ai couru la grande majorité du temps, mais c'était tellement difficile, je me sentais tellement faible que chaque kilomètre paraissait en être deux ou trois. Et c'est indescriptible, en fait. Il faut le vivre une fois pour le comprendre. Mais même moi, trois jours après, là, je sais que quand j'y repense, je le minimise. Mais la souffrance était tellement grande, j'ai jamais été dans cet état physiquement, mentalement, nerveusement, comme je le dis dans la vidéo. Voilà, c'est les 20 km les plus durs de toute ma vie, sans aucun doute. Et je pensais pas que c'était possible de repousser à ce point les limites de la souffrance. Et puis l'arrivée, bon, comme vous pouvez vous en douter, très heureux, avec une grosse décharge émotionnelle à l'arrivée, que je sentais arriver de toute façon depuis un petit moment. Très fier de finir devant sa famille, de recevoir la médaille, le t-shirt finisher, de finir cette course en fait, cette course mythique. Voilà, niveau classement, je termine 1249e sur 4500, donc quasiment le premier quart des coureurs. Bon, je suis très satisfait, hein. Je peux qu'être satisfait pour une première participation et puis pour une première sur cette distance aussi. Surtout que je sens qu'il y a encore une marge de progression, hein. Je ne suis pas au max. Je vais pouvoir m'améliorer dans les années à venir, je le sais. Pour finir et résumer tout ça, eh ben, c'était une expérience incroyable, évidemment. Quand j'y repense, comme ça, ça me paraît un peu fou de me dire que j'ai couru 80 km entre deux villes, deux nuits, sous la neige, avec des supporters qui étaient présents, même à 4h du mat', au bord des routes, dans le froid, pour nous encourager. Des bénévoles aussi, plus de 1000 bénévoles tout le long du parcours, que je remercie d'ailleurs, qui étaient là pour nous indiquer le chemin et pour nous encourager, parfois au milieu de tempêtes de neige. Donc oui, assez fou, je sais pas du tout de quoi sera fait l'avenir, si j'y reparticiperai ou non. Je sais que le format de la Lyon-Saint-Aignan, les 156 km, ce format me fait de l'œil, mais bon, j'ai pas du tout le niveau pour le moment. Donc c'est plutôt un objectif à moyen, long terme. Pour le moment, je vais déjà me reposer un peu et commencer à réfléchir à mes objectifs 2022, en espérant que la Covid nous laisse tranquille, évidemment. Je vous rappelle que les réseaux de PLH sont dans la description. Je remercie d'ailleurs Adrien et son bureau d'avoir accepté que je parle d'eux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !